Cherchez combien? Il faut vérifier, mais... Accompagné ba bangulu ba porcelain na ici ka bakozala donc pour na projet à crissement alors tout dès que na bango na commune à Massina to komiti na maluka wana mboka polo to ina 10 non non to ina 9 porcelain oyoyo bazana na mutuka les temps to kota bango na quasiment. Donc, on va se préparer place pour la banque, ce qu'il y a au Rwanda, va désinfecter en haut, afin que ma côte à l'arme. Voilà. Donc, l'étape en haut est désinfectée. Hein, je n'ai pas osé désinfecter, c'est quand même. Oui, oui. C'est en train de désinfecter. On accueille des nouveaux sujets. Ok. Et pourquoi désinfecter? Nous désinfectons, c'est pour accueillir les nouveaux sujets. Parce que nous ne sommes pas sûrs de la ferme d'où ils viennent. Ok. Voilà pourquoi nous désinfectons, non seulement pour nous protéger, mais aussi pour protéger les nouveaux sujets. Voilà, voilà un peu l'idée. D'accord. Papa. Oui, ça, c'est un bon exemple. Il y a quand même un peu de temps. Il faut les laver.
Je l'ai, porcherie, nous est à combien de mètres sur combien? Notre porcherie a 6 mètres. Ouais. 6 mètres sur 10. 6 mètres sur 10. Oui. 6 mètres sur 10. Et là, il y a combien de loges? C'est 4 loges. Et donc, c'est 8. 8 loges. Oui. Ok. On a arrivé à Bassigé, Bazoya. Pardon, s'il vous plaît, pardon. On a un bangozan qui tombe, mais il y a un bangozan. Ah, tu as mis ma bangou, hein? Non, c'est un bain spécial, hein? Comme le sujet doit mériter un bain avant d'être sur ce lieu. Ok. Pourquoi? La ferme qui nous a aidé à élever, ouais, n'a pas réuni toutes les conditions nécessaires. Bazan à bas solo. Pourquoi nous exigeons les bains? Mon ingénieur, tout le monde dit aux en a des. Pourquoi ça va se faire femelle? Oh, bah, bon, bah, ça va se faire femelle. Bah, oui, bah, on se va faire femelle. Bah, on a un mignon. Il y a l'eau mandra. Ah, pardon. Il y a la duaïte. Et puis il y a Pietrin. Ok. Vous avez la deux races, non? Non. Il y a large black. Large black. Large donc, black. Ça c'est noir. Oui. Ok, là, large white, parce que c'est blanc. C'est blanc. Donc black, noir. White, blanc. Ok. Donc large black. Et large white. Et puis nous avons hybride. Hybride, c'est une race qu'on a maintenue. Mm-hmm. Donc l'association qu'on a fait entre. Pietrin et puis Large White. Okay. Donc c'est hybride. Mais est-ce que vous arrivez aussi à recevoir d'autres races, c'est-à-dire des provenances de l'Europe, par moyen par exemple des spermes? Tout à fait, mais des spermes, on n'en tient toujours pas compte. Tel que la mère c'était sujet, leur mère. Large White. Là. Large White. Oui. Elle a été ramenée de l'Europe. Oui. C'est la ferme. Non. Ce sont des porcelets qu'on a payés. Ouais. La ferme nous a fournis. Nous-mêmes, nous avons. C'est toujours la même ferme qu'on se trouve ici? Ce n'est pas la même ferme, mais nous traitons avec. Ok. Oui. C'est une ferme qui nous a fourni. La mère de ces sujets avec qui nous évoluons avec. Nous attendons toujours l'arrivée des porcelets. Oui, la main en haut. Mais venez, la bino propre, hein? Déjà propre, ma casse parce que vous n'avez pas trop des sujets ou comment? Non, là parce que. Non, mais. Mais ici, il n'y a pas de baba. Si j'ai bazat, hein? Non, mais regardez là-bas. Alors, bien vous mis neuf porcelaires. Donc, l'objectif est ça. Mon objectif est ça, combo collaborant et puis après côté parfois. Combo comment c'est multiplié, tout. Vous aurez tendance à ça. Non. Pas que peut-être à la longue on pourra chercher un moyen de multiplier, mais pour le moment on élève et puis on vend. Ok. Ingénieur. Vraiment, toi, c'est que la mingi n'a pas réflexion à yo, n'a pas il n'a eu au Kaboula parce que lobby, tout est l'art là, au bâti qui est au salaire qui paye dans le pays, Moussou dans l'Ibanda, par rapport à domaine, non, c'est ça, non? Oui. Alors, aux autres comparés, n'est-ce et ça, il y a, tout comme il y a beaucoup de Bangou, le n'est-ce pas dans le Congo, n'a pas condition n'est-ce pas, n'a pas ici que vous avez qui l'Ibanda. Bon, l'Ibanda, on apprécie. Libanda mais notamment dans les Bambokani, les Zokotan. Nous allons en Belgique, nous allons en Londres, en Maroc, nous avons quand même des différents partenariats. Donc, à partir de Bisikango, nous avons quand même eu des expériences. On sont des grandes fermes. Ok. Notamment, nous avons aussi l'idée de devenir comme eux. C'est vrai que c'est le moyen qui nous fait défaut. Mais quand il y a l'ambition,
un dévouement, une volonté, on peut toujours parvenir à faire plus que ce qu'on a vu ailleurs ou bien ce qu'on a fait pour les autres avant d'être nous-mêmes. Hein. Voilà. En fait, on apprécie d'abord votre porcherie. La photo à vous, parce que c'est vraiment propre. Hein. Mais pourquoi, quelle est votre motivation, Rocha, pour changer la mise à la propre? Ma motivation, c'est quoi? La propreté, le luxe, c'est une partie de, pour la réussite hein, d'une affaire. Ok. C'est aussi le professionnalisme. Je vous ai dit que je ne suis pas débrouillard. Je ne suis pas un élevage de subventions. Non. Ça, c'est mon domaine. Je suis des humanités agricoles. Je suis des universités agronomiques. Je suis des spécialités aussi. Voilà okay. Pourquoi vous avez pu voir le maintien de cette propriété. Voilà. Est-ce que vous pouvez conseiller, par exemple, à la diaspora congolaise d'investir dans ces domaines? Ça, c'est un domaine très luxueux, c'est un domaine très sûr. C'est un domaine parmi les domaines prolifiques. Voilà pourquoi nous les invitons à investir dans ces domaines. Voilà, nouveau sujet. Je compte déjà. On va faire le nettoyage. On va faire la benne à Bango. Donc. Ça va être 3 jours. Oui. L'homme n'attend pas au Sokolaï. L'homme n'a pas héros, il faut que le Sokolaï. Pourquoi? Les milieux où ils étaient, oui. Il n'y avait pas de bain à prendre. Parce que plus la baie était propre, ça fait partir de l'affaire. Ça fait partie de quoi? De l'affaire. La baie était propre, les soins. Oui. Les soins de la bête est d'une valeur capitale. Si la bête n'est pas propre, même valeur naïe commerciale, il y a des. Ok, bon, croissance naïe, vous avez là. Croissance naïe, c'est un problème. Mais, ça, mais comment vous comparez production, tout élevage, il y a pas port, il y a pas village, il y a pas de village, il y a pas de saleté, il y a pas de miner, il y a pas de saleté. Par rapport à Obino, vous avez là. Bon, un élevage. Il y a un élevage traditionnel. Nous avons dit élevage de circonstances, de subventions. Donc, quelqu'un peut se lancer dans une affaire pour des raisons circonstancielles. Mais là, c'est un domaine, on sait que ce qu'on fait, c'est quoi. Et dans un laps de temps, ça doit nous faire l'argent, un plus. Voilà pourquoi. Donc, tous les paramètres doivent être mis en jeu, de sens que ça nous apporte un plus. Voilà pourquoi d'accord. Les opérations telles qu'on les fait, on sait pourquoi on les fait. D'accord. Donc, ça, c'est l'hygiène de la peau. De la voilà. Après la peau, ça sera quoi? Après la peau, ça sera les soupes, disons les soins. Maintenant, ça sera les soins vétérinaires. Ok. Et pour l'alimentation? Et pour l'alimentation. D'accord. C'est trois phases au moins. Pas une goulée, non? Thank you.
Voilà, ingénieur. Oui. Ton monde aussi, c'est ça, les beaux sorts. Ah, c'est quoi? Oui, oui. Maintenant, la deuxième étape sera. Ça va consister à quoi? Il faut les accueillir, leur donner l'aliment. Quoi. L'aliment. Ok. Ok. Mr. Boni. Comment on est? Ah, ingénieur, vous n'avez pas donné votre nom? Je suis l'ingénieur Elvis Madi, expert consultant. Un développement agricole. D'accord, merci beaucoup. Oui. Yoko Monani. Kalaushim. Chinois. Kalaushinois. Ah, pour les Chinois. Kumonanande. Vous y a mis le lobe à Bangoul. Bangoul. D'accord, merci beaucoup. Merci à Petit Arroudonda. Ici à Petit. Papa, yamba bango. C'est un vrai kourma. Eh, maman, on va rater les bango. Je vais comprendre les adamas. Vous en cherchez combien? Il faut vérifier, mais je garde. Numéro 1 moi de sapin. En web, hein? C'est pas grave pour pas prendre. Faisons ceci. Alors, comme je n'ai pas mon téléphone à trois, j'allume et...